C'est Sortex, j'espère que vous allez bien, comment ça va bien aujourd'hui. On se retrouve pour la présentation du glitch, donc pourquoi on est sur l'online, le solo, pardon. Tout simplement parce que je veux vous montrer tout en détail. Donc le glitch c'est quoi en fait, c'est pour gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Donc premièrement vous allez faire start, vous allez aller dans le online, vous allez sur jouer en online, session sur invitation. Donc vous allez faire ça et tout. Ce que je vous conseille, ben premièrement, vous êtes obligé d'avoir un garage. Deuxièmement, vous devez acheter un véhicule qui au départ il coûte moins que 50 000, donc 50 000 $. S'il coûte 150 000 $, vous pouvez pas. Pourquoi? Ben tout simplement parce que le garage, le Cento Custom, ils nous interdisent de vendre des véhicules plus qui valent plus que 50 000 $. Donc s'il vaut 30 000, après quelques temps, ben, quand vous allez le modifier au max, ça va vous valoir peut-être 100 000, mais c'est correct parce qu'au départ il valait 30 000. Donc voilà, donc on est dans l'online, vous allez aller commander votre véhicule, le véhicule que de votre choix. Moi c'est un pick-up. Vous allez voir c'est lequel. J'ai modifié au max. Quand je le vends, c'est 91 000 qu'il me donne. Je pense que c'est lui. Ouais, je pense que c'est ça. Je suis en route. Donc, sûrement, je vais couper des moments hein, pour que ça soit trop long. Ensuite, quand vous avez votre véhicule, vous allez au Los Santos Custom, celui le plus proche. Vous le modifiez au maximum, même si. Il vous reste 2 $ à la fin, c'est pas grave, modifiez-le au max, ça vaut vraiment la peine. Parce que voilà, moi il me vaut 91 000. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans le Cento, vous rentrez, vous ressortez, ben vous le rentrez, vous modifiez vos trucs et tout, vous ressortez. Vous allez sur Store, vous allez dans En ligne, vous allez cliquer dessus, vous allez dans Options, et vous allez faire Point d'apparition. Dernière position, ça c'est très important parce que sinon vous allez apparaître n'importe où. Donc ensuite, vous allez vous mettre en avant du Los Santos Custom, ça aussi c'est très important. Et vous allez faire Start en ligne, quitter GTA Online. Donc vous allez comprendre pourquoi, ben, c'est parce que à chaque fois que vous allez faire le glitch, il faudra vous changer de session. Et puis à chaque session que vous allez changer, vous allez toujours apparaître en avant du Los Santos Custom. Donc ça va vous faire... ça va pas vous faire perdre du temps. Et ben, je trouve que c'est assez important. Donc voilà, vous retournez dans le solo. Ensuite, vous retournez dans le online. Donc attendez un peu. Voilà. Voilà, vous faites start. Vous allez dans en ligne. Jouer GTA Online. Session sur invitation. Donc, je pense pas que vous êtes obligé, mais je trouve que c'est mieux parce que des fois, voilà, hein, c'est plus cool. Donc, voilà. Donc, on est réapparu. Là, c'est pas en avant du... Ben, c'est pas juste où ce qu'on s'avait mis, mais c'est juste... voilà, c'est en route, hein, on est juste à côté. Voilà, parce que à chaque fois que vous allez faire les glitches, vous allez, comme j'ai dit, vous allez changer de session. Et puis, vous allez toujours réapparaître à la même place, donc là... Donc là, le glitch, c'est bien sûr un truc de rapidité. Donc vous rentrez avec votre véhicule. Voilà. Faut vraiment... c'est pas si... voilà, mais voilà. Donc vous allez aller dans vendre. Vous allez faire stock et accepter. Vous allez vous dépêcher à aller sur store en ligne. Changer de personnage. Et vous allez faire OK. Donc vous allez voir, c'est merveilleux. Je le fais plus vraiment. Avant je le faisais, mais là je vais, quand que les braquages de banque vont sortir, ben je vais probablement ne plus en faire. Donc vous prenez votre personnage, vous cliquez sur A pour Xbox, sur PlayStation je pense c'est X. Mais voilà, moi je suis sur Xbox, donc voilà.
Donc, je fais aussi cette vidéo surtout pour mes amis parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent hey, c'est comment qu'on fait le glitch et tout. Puis là, c'est assez dur à expliquer comme ça. Donc, je vais leur envoyer le lien de ma vidéo. Pas pour me faire des vues, mais tout simplement pour. Voilà, hein, pour pas que ça soit comme en chinois ou pour les Chinois qui me regardent, pour pas que ça soit en français. Lol. Mais voilà. Donc, c'est pas un manque de respect, mais voilà. Donc. Voilà, vous allez réapparaître, bien sûr dans une partie avec d'autres gens, mais tu sais, vous essayez de pas trop les niaiser. Vous réapparaissez avec votre véhicule, avec l'argent qu'ils vous ont donné, 91 000, moi c'est ça, et vous le faites autant que vous voulez, toujours la même méthode, pas obligé de requitter à chaque fois parce que vous allez toujours apparaître. Vous rentrez dans le garage, ensuite, vous vendez, mais pas obligé de réparer, hein, c'est 58 $ en moins, c'est pas grave. Faites ça, toc, toc, toc. En ligne. Changez de personnage, je le fais 2 fois, hein, juste pour être sûr que vous comprenez. Donc voilà, vous allez faire ça plein plein de fois. Et quand tu le modifies vraiment au max, si t'as fait beaucoup beaucoup de courses, tu débloques probablement tout sur le véhicule, donc tu peux le modifier, ça peut te coûter, ça peut t'ordonner 150 000, là, un truc du genre. Moi c'est ça, là, c'est 91 000, c'est assez beaucoup, hein, c'est. Voilà, hein, il y en a qui voudraient avoir une maison, des autos et tout. Et bien voilà, c'est voilà, c'est fait. Aussi, il y a peut-être beaucoup de. C'est pas du spam en fait, ou je sais pas comment il y en a qui appellent ça. Ce que je fais, parce que oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait ce glitch-là sur YouTube, mais je suis pas sûr. Mais voilà, il y en a beaucoup aussi qui m'ont demandé. Oups. Ok, you got it. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour le faire. Donc oui, il faut faire toujours attention à ceux qui. Parce que ça fait rager souvent. Voilà. Et puis si vous éteignez la console et puis que vous voulez refaire, je crois que c'est mieux de refaire le truc du début, comme aller en avant du Los Santos Custom, quitter l'online et tout, parce que voilà, c'est beaucoup mieux. Et puis voilà. Donc si vous avez tout suivi comme j'ai fait, ben, vous devriez pas avoir de problème. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à commenter la vidéo et à vous abonner. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.